Pour arrêter le réacteur, il faut arrêter la réaction en chaîne. La réaction en chaîne, on l'a dit, c'est elle qui est à l'origine de la chaleur. Comment? Eh bien, à l'intérieur de l'uranium, au cœur de la matière, des noyaux d'atomes se brisent. Ils libèrent de la chaleur, mais également de toutes petites particules, des neutrons, qui à leur tour vont percuter d'autres noyaux d'atomes qui éclatent, libèrent de la chaleur et d'autres particules. Pour arrêter la réaction en chaîne, donc le réacteur, il faut stopper les neutrons. Comment? Les pilotes du réacteur font descendre entre les barres d'uranium des barres dites de contrôle qui ont la propriété d'absorber les neutrons. Et c'est également en jouant sur la hauteur des barres de contrôle, donc en laissant passer plus ou moins de neutrons, qu'on fait varier la puissance du réacteur.